C'est pendant la conférence de presse pour Star Academy que Patrick Huard a annoncé que sa femme, Annick Jean, avait donné naissance le 26 décembre dernier à un petit garçon qui se prénomme Nathan. Il y a encore des séparations dans l'air du côté d'Hollywood. Cette semaine, on vous parle de Brody Jenner et d'Avril Lavigne. Le couple semblait plutôt sérieux puisqu'ils se sont fiancés en mars 2011 et ils s'étaient même fait tatouer un signe similaire et Avril Lavigne avait le nom de Brody de tatoué sous le sein droit. Fait inusité, on a découvert une mouche en Australie qui aurait un renflement assez prononcé au niveau du postérieur. Le chercheur l'a donc appelé le Skeptia Beyoncé en l'honneur de la chanteuse qui, elle aussi, a un postérieur assez prononcé. Plusieurs vedettes ont offert des cadeaux à la fille de Beyoncé et de Jay-Z. Lady Gaga a quant à elle offert un cache-couche avec des diamants roses qui forment les mots « Little Monster ». Elle a précisé à Beyoncé qu'elle souhaitait que sa fille le porte lors de son premier spectacle de Lady Gaga. Kirsten Dunst, Kristen Stewart ainsi que Viggo Mortensen pourraient être à Québec entre le 24 et le 27 novembre 2012 afin de participer à la projection du film Sur la route, un film dans lequel les trois acteurs tiennent la vedette. Aucune information n'a été confirmée, c'est donc un dossier à suivre. Sur le tapis rouge des Golden Globes, Elton John s'est fait demander s'il croyait aux chances de Madonna de remporter le prix pour la meilleure chanson originale. Il a répondu qu'elle n'avait aucune chance. Malheureusement pour lui, celle-ci a gagné. C'est alors que le copain d'Elton John s'est mis à bâcher littéralement sur Madonna via son compte Facebook. Un petit peu ordinaire. On a appris dans le Éco Vedette que la fille de Nathalie Simard s'est récemment fiancée avec le fils du chum de sa mère. C'est donc dire qu'elle est fiancée avec son demi-frère. Mais ne vous en faites pas, il n'y a aucun lien de parenté. Et voilà, c'est déjà tout pour vos potins Hollywood PQ pour cette semaine. J'aimerais par le fait même remercier Jacob qui me fournit mes vêtements à chaque semaine et je vous invite à aller voir leur nouvelle collection, soit en magasin ou au www.jacob.ca.